Amis à Contresens, aujourd'hui ben, on est nouveau avec mon ami Alain de chez Auto Tradition et là on vous présente vraiment un joli modèle hyper rare. Donc c'est une Lamborghini Islero S. Et non pas Ilero, parce que j'ai dit Ilero, je me suis fait gronder. Oui. On dit Islero. Voilà. Voilà. On parle-nous un peu de cette belle voiture parce qu'il y en a très peu, hein, j'ai rarement vu. Ben écoute, d'abord c'est pas simplement une Islero, c'est une Islero S. T'as oublié de prononcer le S. Le S. Qui est une petite différence de chevaux et d'esthétique entre la S et la normale. Donc, ça, c'est une S qui a 350 chevaux, qui a été construite à 100 exemplaires. Et la normale, elle a été construite à 125 exemplaires et qui a 30 chevaux ou 25 chevaux de moins. Puis le tableau de bord, c'est différent. Et t'as ces petites ailettes ici que c'est sur la S. Toi. Est-ce qu'elles ont une utilité ou bien c'est vraiment que esthétique, hein? Alors, je pense que c'est plutôt esthétique. D'accord. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est aussi un petit bombage qu'il n'y a pas sur la normale. Mais ça, ça a une utilité, en revanche. Voilà, c'est pour refroidir voilà, le bloc. Tout à fait. Et donc, pour vous raconter un peu l'histoire de la Islero, qui n'est pas très connue, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'est la suite de la 350 et 400 GT Lamborghini qui a été fait chez Touring. Et à l'époque, le directeur des dessins de chez Touring, c'était Monsieur Marazzi, qui, comme Touring a fait faillite en 68 environ, ou 67, je me souviens plus très bien, il a créé sa propre compagnie de design. Et Lamborghini a continué de travailler avec lui et ils ont fait cette voiture. Marazzi, c'est une carrosserie Marazzi, comme on dit. Qui est malheureusement, dans son nom, pas très connu, mais qui a fait beaucoup d'autres voitures pour Lamborghini, enfin les premières, et d'autres voitures aussi pour... Donc chez Touring, Touring faisait pour Alfa Romeo, pour Lancia, pour beaucoup de voitures. Hein. D'accord, oui. Même pour Aston Martin, d'ailleurs. Voilà, ça c'est déjà... Et pourquoi elle n'a pas eu beaucoup de succès, cette voiture? C'est parce qu'en même temps, ils ont fait l'Espada. Et l'Espada avait beaucoup plus de place à l'arrière que l'Islero. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une Espada. Voilà. Mais c'est vrai que le Espada, ça, elle fait plus break que celle-ci-là. Oui, alors celle-là, elle fait plus... Oui, elle est plus conventionnelle et très classique dans sa ligne. Hein. Ouais. C'est une ligne assez classique. L'Espada était même avant-gardiste hein, comme ligne. Hein. C'était vraiment une ligne très... Moi, ça me plaît beaucoup aussi, l'Espada. Hein. Mais l'Espada, c'était Bertone. Voilà, c'est Bertone qui avait dessiné voilà, cette voiture. Ouais. Voilà. Et ils ont fait environ 1000 Espada ou 1500 Espada contre en tout 225 Islero. Toute la gamme comprise. Et puis, est-ce qu'on ose articuler un chiffre sur le prix d'une voiture comme ça? Alors, cette voiture-là, elle a été restaurée chez Lamborghini à l'usine. Elle a les papiers de chez Lamborghini pour la certification. Comme chez Ferrari, il y a le Ferrari Classiche. Là, c'est le Lamborghini, il a un nom, mais je me souviens plus du nom, malheureusement. Il y a eu une restauration pour environ 280 000 francs. Rien que la restauration. Ben oui. Sans le prix de l'achat de la voiture, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une voiture qui se monnaierait entre 400 et 500 000. D'accord. Ah, quand même, hein. Oui. Une normale qui est dans un état plus ou moins bien, mais normale, il y en a sur Internet à 380 000. Voilà. Est-ce qu'elle a combien de kilomètres cette voiture, mis à part la restauration? Alors, comme ils ont mis tout, sur le compteur, il y a 17 000, je pense qu'elle a eu, depuis la restauration, elle a fait 17 000 kilomètres.
D'accord, donc on Voilà. peut considérer qu'elle est proche du neuf, quoi. Oui. Elle est neuve Ben, même, elle est on peut neuve. le Là, dire, dessous, elle est quoi. aussi belle dessous qu'en haut. Elle Voilà, est dans un état exceptionnel. oui. Bon, de toute façon, après, on va aller faire un petit tour avec la voiture. Vous Oui. verrez, je pense qu'elle doit avoir un bruit sympa. Tout à fait. Ouais. Tout à Ouais, en tout cas, fait. je te remercie. On peut garder le moteur, Alain, à la Écoute, limite? bien sûr, et les jantes, c'est les mêmes jantes comme sur les Murat. Les Lamborghini Murat, C'est vrai, oui, on a c'est le les mêmes même. jantes. Oui. Voilà. Est-ce que c'est un sacrilège de dire qu'elle est proche de la forme de la Ferrari qu'on a fait dernièrement, la 400? Non, elle n'est pas tellement proche de la 400. Elle serait D'accord. plutôt proche d'une 330 GT 2 plus 2. D'accord. On fera quelques images avec les feux escamotables. Voilà. Ce serait sympa parce que c'est toujours joli à voir. Ah ouais, le moteur, il est. Ben, c'est à l'état Voilà. neuf, hein. Donc c'est une voiture qui a été immatriculée en Suisse. Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Le permis suisse, expertisé vétéran. Alors c'est clair, c'est une voiture qui pourrait très bien partir à l'étranger du fait que Ça serait dommage qu'elle parte à ce serait l'étranger. dommage qu'elle parte à Ouais, l'étranger. ce serait dommage. Hein. Parce que c'est une voiture exceptionnelle dans l'état où elle est. Je sais pas si vous voyez les amis, je sais pas, le capot là, on voit, c'est, je sais pas c'est quoi, c'est du cuir là qui C'est fait du l'isolation, synthétique, bien synthétique. synthétique, mais c'est Oui. vraiment l'isolation du capot est Ouais, complètement folle quoi. T'as même une petite ampoule d'éclairage là pour. ouais. Puis elle marche, hein, en plus. Quand on allume les phares, elle se marche D'accord. aussi. Hein. Elle est superbe. Jusqu'au bras d'essuie-glace, c'est complètement chromé. Oui, aujourd'hui, ça vous choque, hein, mais pour moi, c'est un peu normal dans ces années-là. Hein. C'est Oui, vrai que c'est vrai les que. voitures actuelles, là, ce genre de voitures, ils ont des essuie-glaces noirs mat, Voilà, puis voilà, c'est plastique. voilà, Voilà. plastique, Ouais. exact. Là, il y a encore du chrome. Enfin, c'est de l'inox. Hein, les pare-chocs sont en inox. Ouais. Voilà, ça ne rouille pas. Et cylindré, on a parlé de la 4 cylindrée. litres. C'est un 4 Ouais, litres. Hein. 3 litres 960, je crois. Voilà, 4 litres, 350 chevaux. ouais. 12 cylindres, Le évidemment. cylindre, ouais, V12. Ouais. Ouais. V12, oui, V12, V12, oui, V12, oui. oui. Ah oui. Et vraiment très belle. Bon, vous verrez, les amis, de toute façon, on va aller faire un petit tour sur route. Il fait juste le temps idéal, je trouve. Il fait pas trop Ouais, c'est idéal. chaud. Il fait pas trop chaud Hein? aujourd'hui. Ouais. Parfait, Ouais. je me réjouis. Merci Alain, Ben, encore je une t'en prie. fois. À bientôt. À bientôt.